Les commerçants et les usagers du marché Sukisa dans le 5e arrondissement de Brazzaville sont exposés au danger. Le toit du marché s'affaisse progressivement et une partie s'est totalement effondrée. Certains commerçants vendent à ciel ouvert et d'autres contraints de se fléchir pour bien circuler d'un couloir à un autre. C'est pareil pour les clients. Les conséquences ne sont pas moindres pour ces vendeurs. Nous sommes harcelés tout le temps et nous n'arrêtons pas de payer nos taxes au quotidien. Pourtant, à longueur de journée, les clients se cognent la tête à cet endroit, se blessent et profèrent des injures vis-à-vis des marchands que nous sommes. Le marché est de moins en moins fréquenté ces derniers temps à cause de tout cela. Cela fait plusieurs mois que ce marché se trouve dans cet état de destruction. Aucune mesure d'urgence n'est prise. La municipalité de Brazzaville continue de prélever allègrement les taxes aux grandes dames de ces marchands. Dans un projet du gouvernement congolais et la Banque mondiale, il est prévu la reconstruction de ce marché de Sukisa. Ce projet pourrait démarrer en septembre 2018. Les commerçants ont encore près de 3 mois de galère si aucune mesure prompte n'est prise.